Après cela, je reprendrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Joël, chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bon Dieu merci pour grâce li envers nous, pour beauté li ak miséricorde li, pour faveur li que li fait moi-même avec vous. Donc pour que nous capables réunir jeudi à donc jeudi à c'est mardi. Mardi que bon Dieu fait nos grâces nous capables ouais. Yon l'autre jour encore dans la semaine ça. Donc nous exalter le nom de l'Éternel et nous magnifier nom Seigneur pour ça. Et notamment même qui connecté avec nous, donc pour qu'on capable reconnaissant envers Dieu, pour ça le faire, pour ça la continuer faire dans la vie non. Donc nous saluons très fort dans le ça, ou même qui connecté avec nous, nous saluons, ou même qui des bureaux, ou même qui dans business là, ou même qui en voyage, ou même qui connecté avec nous, côtoyer la caillou avec famille là. Ou réunis ensemble avec nous jeudi mardi ça pour que nous capables continuer la prière ensemble. Donc quoi que c'est pas un déficit mais c'est va un bénéfice pour que nous capables la prière ensemble jeudi mardi ça. Donc nous saluons très fort, nous portons un gros coup de salutation à ou même parce que ou ba nous un petit temps dans journée pour que nous capables la prière ensemble. Mais bien-aimés dans le Seigneur, son grâce spéciale, serviteur l'a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et l'Ébreu dit dans Psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu, il mérite louange, il mérite pour nous exalter non, il mérite pour que nous magnifier non, il mérite pour que nous capables reconnaissant envers lui pour s'allier, pour ça le faire et pour ça la continuer faire dans la vie non. Donc hier nous t'a parlé un peu sur l'adoration et louange, nous quoi que en pile dans nous t'es béni, en pile dans nous t'es édifié à travers formation ça depuis vendredi passé. Donc notre enseigné à sous thème ça adoration et louange, comment pour nous adorer Seigneur et qui bénéfice qui gagne lorsque nous adorons mon Dieu et qui bénéfice qui gagne ça. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour que vous capable toujours être connecté avec nous. Et ou même qui connecté pour la première fois avec nous, nous fonctionner du lundi au vendredi. Nous fonctionner 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Donc, famille Midi de Combat, ou même qui t'a connecté avec nous, qui peut faire la paix avec Christ. Donc, nous gagnons un téléphone ça qui sur écran ou capable d'écrire nous sur lui et nous capable la prière ensemble avec vous. Nous capables introduire devant un trône, hein? Nous capables font prière pour que vous capables accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, parce que au serviteur a dit passez pour m'tawa dans un grand pays, les péchés m'ta fait souffrir. Il dit pitom gè Jésus passez toute bagaille que le monde ta capable bay. Donc li important mes bien-aimés pour que non seulement n'ap travay pour avenir famille non, petite non pour avenir non. Donc mes bien-aimés, nous doit travay tout pour avenir non après la mort, parce que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc pendant qu'on préparé pour gagner une meilleure vie sous terre là, donc il faut qu'on font préparation tout. L'homme mourit, qui coûte au bralé et qui s'est réservé pour. Question ça yo extrêmement important.
Donc qui côté pour aller l'homme mourir et qui ça qui réservé pour même l'homme mourir. Donc pour gagner de bonnes réponses avec ça, il faut quoi aller dans la Bible. Mais bien aimé, si vous mourrez sans Christ, mais bien aimé, gon côté réservé pour vous. Et si vous mourrez avec Christ, gon l'autre côté réservé pour vous. Dans l'histoire, Lazare, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible explique très bien les à monde qui a Christ la mourir avec monde qui pas gagne Christ dans la vie, qui côté où aller. Pour monde qui converti, pour monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, monde ça yo là yo ferme les yeux yo ou à d'autres termes là yo mourir yo aller dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Donc et l'autre monde qui pas accepté Jésus-Christ yo aller dans le lieu de tourment. Donc pour aller dans le sein d'Abraham, il faut que ou accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc au même capteur de qui pas ta faire la paix avec Jésus-Christ, je dis à ces jours pas qu'il y ait pas quitter le pour demain si Dieu le veut, fais ça parce que ou pas regrette. Non, ou pas regrette. Essayons grâce, ou pas aucun effort pour faire, c'est une grâce seulement ou utiliser la foi en Jésus-Christ pour capable bénéficier ça. Et c'est ça le dit apôtre Paul pour le confirmer ça à travers Éphésiens 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc c'est par la grâce, mais pour bénéficier grâce ça, il faut que au capable gagner la foi. Et la foi de qui est-ce? De ou même, nous-mêmes qui pouvons accepter, en qui est-ce? En Jésus-Christ. Donc, si vous pouvez gagner la foi, si vous pouvez accepter Jésus-Christ, c'est signe qui prouve que vous pouvez bénéficier grâce à. Donc, nous encourageons, faire la paix avec Christ, ou même qui pouvez accepter Jésus-Christ, pas quitter ça pour demain. Écris-nous sur le numéro qui est sur l'écran, nous allons la prière avec vous et nous allons orienter vous. Yon assemblée pour qu'on capable aller côté la Bible faire autorité et comme ça yon capable faire les suites nécessaires formation pour vous et ou comme ça yon jour on va accepter le baptême d'eau, on va accepter baptiser parce que baptême c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu et envers société. Ou pas pral baptiser pour qu'a sauver, mais parce qu'on sauver ou accepter Jésus-Christ, ou a prouvé salut ça à travers le baptême d'eau. Donc il est important au même cap temps des prières midi de combat, sous pour qu'on fait ça, n'a encouragé ou fait ça pour que ou accepter Jésus-Christ, sa pape les pape un déficit mais il va un bénéfice pour nous. Il va un bénéfice pour nous. Quel que soit côtoya, ou capable écrire nous sur WhatsApp, ou capable reler nous sur numéro ça et bay non, dis-moi c'est frère tel, moi t'ap tande prière midi de combat, moi veux faire la paix avec Jésus-Christ et nous-mêmes nous va répondre et nous va assister au dans ça pour que nous capable la prière ensemble avec vous. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important parce que c'est une très bonne nouvelle que nous avons parce que nous voulons annoncer ça, rappeler ça. Jésus-Christ est toujours à venir. Jésus-Christ est toujours à venir, mais seulement il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ou même qui t'a converti déjà, baptisé déjà, ou pour ou t'es arrivé dérouté dans route là, ou t'es arrivé by vague, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est temps pour qu'on capable reprendre place, retourner. Même Jean enfant prodigue là, il était d'accord tourner ou même au capable prendre décision ça pour que retourner la caille papa pour que retourner au bercail. Donc mes bien-aimés, et nous va non pas faire une prière de conversion, mais nous va faire une prière de repentance pour même de restauration pour qu'on capable reprendre place à la gloire de Dieu. Et au même qui pour qu'on fait la paix avec Jésus, nous va à la prière pour et comme ça non va inscrit dans cahier qui bail la vie. Parce que dans Apocalypse 20, la Bible dit un livre fut ouvert et un autre livre fut ouvert. Et dans le verset 20, l'Hébreu dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, il est important, ou même capter des prières, midi des combats,
pour que vous capable comprendre ça. Sinon, on pas inscrit dans le cahier qui va la vie. Hein? Donc, il y a les temps de feu, les temps de feu qui réservé pour tout le monde qui pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Nous pas venir faire peur, mais nous voulons annoncer la vérité et nous encourager à faire ça à la gloire de Dieu. Mais il y a un personnage qui est responsable. Lorsque vous finissez d'accepter Jésus-Christ, il représente une force. Il représente une force pour chaque croyant, pour chaque chrétien. L'entavlé abandonné, l'entavlé baïvague, l'entavlé découragé, personnage ça li là pour que li réconforte nous, pour que li réconforte nous. Donc nous a parlé de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un personnage qui a un mandat pour bay force. Et ça fait serviteur l'a dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Jésus-Christ, c'est plus gros cadeau qu'il était capable de bailler l'Église. L'Église, c'est plus gros cadeau qu'il était capable de recevoir dans la main de Jésus-Christ, qui c'est le Saint-Esprit. Et ça fait, il dit, il était capable de prophétiser ça dans Joël chapitre 2. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, cet esprit, nous avons une dispensation, nous avons une étude. Pokali, nous avons un moment là, nous avons tant Saint-Esprit. Donc, il est important en tant que chrétien pour que nous soyons capables de valoriser la présence, pour que nous soyons capables de faire toute importance. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un personnage de la Trinité qui ignorait en pile la présence du Saint-Esprit. Il y a plus enseigné sur Jésus-Christ, il y a plus enseigné sur Dieu le Père, mais le Saint-Esprit est vraiment négligé dans les assemblées. Et pas gain l'église sans le Saint-Esprit, car l'église t'a pral initier, t'a pral prendre naissance, t'a pral inaugurer au jour de la Pentecôte, c'est à travers la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Donc l'important pour que l'église chrétienne nous valoriser la puissance, la manifestation, la présence du Saint-Esprit à travers la vie, non, à travers ministère. Yo. Donc Saint-Esprit, il fait partie de yo dans trois personnages de la Trinité. Donc nous joignons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le troisième personnage. Dans l'Ancien Testament, nous te joignons le Père qui est manifesté. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les quatre évangiles, nous joignons Jésus-Christ, le Fils, qui est manifesté. Mais c'est le Père qui est manifesté, qui est incarné, qui est manifesté présence à travers Jésus-Christ. Et ça fait les anges là, te descendent là, visiter Marie, parce que pour Dieu descendre pour venir sauver nous après péché Adam, pour te venir sauver nous à travers péché ça, pour te venir retirer malédiction ça sous nous, pour nous être capable hériter le salut. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu te oblige à chercher une forme humaine pour que les capables manifester pour le venir sauver nous. Parce que l'homme pas capable de retirer malédiction ça. Sans bouc yo pas capable de retirer malédiction. Sans taureau yo, sans tout rel yo pas capable de retirer malédiction. Il faut que gon cinq versets, mais son sang qui pur, qui sans tache, qui ni ride, rien de souillure. C'est un sang consacré versé. Et Dieu t'a réalisé, c'est lui-même même pour que les descendent pour le venir sauver nous-mêmes les hommes encore. Et c'est une raison, les anges leur dit, Marie, ou va l'enceinte, ou va faire un petit garçon, ou va réélire Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Donc, c'est une raison, dans Jean 14, ou va louer Jésus-Christ pour aller confirmer ça avec Thomas, côté que Thomas pral dit Jésus-Christ montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus-Christ t'a pral répondre Thomas pour dire Thomas, Thomas, moi gain longtemps avec nous. Comment faut dire nous montrer nous papa? Ou pas connaît celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi et mon Père nous sommes un. Donc nous faisons seul. De poème c'est manifestation papa moi. Donc, moi, c'est la présence incarnée de Dieu. Oui, moi, c'est la présence incarnée de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus-Christ, il a fait un travail, il a fait un mandat,
Et puis il te dit, disciple, un jour, mieux vaut que moi aller et me va voyer consolateur là. Et lui-même, il va conduire nous dans toute vérité. Et il t'a pralé, vrai, il a enlevé Jésus-Christ au jour de la Pentecôte. Jésus-Christ, il était enlevé, mais bien aimé avant ça. Et au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit a t'appelé faire apparition. Donc, étape Jésus-Christ, à période par la prophète. Et puis, période par Saint-Esprit a t'appelé inauguré. Oui, il t'a pral prend place. Parce que au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent comme celui d'un vent impétueux. Et toute la maison où ils étaient assis était remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 2, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout le monde qui était dans l'espace, dans la chambre haute là, mais bien aimé, tout est rempli du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Au point que, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as gagné quelques mouns, quelques étrangers qui t'est venu à Jérusalem, qui t'a assisté événement. Et puis ils ont dit, monsieur, il semblait que c'est sous. Et puis apôtre Pierre, il t'a prend la parole, il pral dit, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pas sous nous sous, mais au contraire, c'est une prophétie que t'es bail dans Joël chapitre 2 côté que nous sautons pour vous. Il t'a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Alléluia. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, et puis pendant Pierre l'a prêché. Alors, c'est une prédication en réalité, c'est toute une explication. C'est toute une explication pour Pierre montrer que mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas sous. Et c'est une raison pour dire, nous sommes à la 9e heure. Donc dans l'heure que nous y a là, nous pas joindre clairin acheter, toute boutique fermée, ça li est possible. Mais au contraire, c'est un prophétie que te baille, donc c'est lui qui accomplit. Et dans le verset 38, dans Actes chapitre 2, mes bien-aimés, tout le monde qui t'attendait, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Et dans le verset 39, apôtre Paul, apôtre Pierre pral continuer pour le dire ça. Verset 38 a continué. La Bible dit, Pierre pral dit, alléluia. L'elfin dit, il eut le cœur vivement touché. Alléluia. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors, apôtre Pierre Bral dit, nous devons accepter Jésus-Christ et nous d'accord pour nous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous donc et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est apôtre Pierre qui pral apporter explication ça et qui pral bail inauguration avec la le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Il pral bail laisser passer avec présence ça avec personnage ça. Donc le Saint-Esprit c'est pas un bagage que moi-même avoir l'église doit ignorer. Car c'est lui qui pral bail naissance à l'église, c'est lui qui pral bail l'église essence li la présence du Saint-Esprit. Et c'est une raison ou pas doué ignorer ou pas doué négliger dans la vie. Donc li important pour que en tant que chrétien ou connait qui est qui Saint-Esprit a et pour qu'on importance li dans la vie non le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit li c'est un personnage dans Trinité a que nous pi ignorer. Oui, qui joue en pile ignorance sous lui. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, donc il y a plusieurs raisons donc que nous pas doué arrêter dans l'ignorance sous la présence personnelle qui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit premièrement ou doit connaître le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit pas juste un bagage comme ça genre que en pile nous prendre. Le Saint-Esprit il est Dieu, il est Dieu. Donc on doit connaître ça, le Saint-Esprit il est Dieu.
il fait partie de trois personnages qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu, donc il c'est manifestation présence bon Dieu, il c'est manifestation de la présence de Dieu. Donc il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc même il y a un respect pour le Père, pour le Fils, nous devons gagner respect pour la présence du Saint-Esprit, pour personnaliser le Saint-Esprit. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, on pas doit jamais traiter, on pas doit jamais traiter le Saint-Esprit comme une personne inférieure. Non, en pile en dénomination, yo considérer le Saint-Esprit comme une personne de la Trinité inférieure. Mais bien aimé, nous pas doit jamais traiter le Saint-Esprit comme une personne inférieure. Nous devrions le connaître comme une connaissance. Nous devrions le connaître comme nous connaissons les deux autres membres ou bien membres de la divinité, de la Trinité. Donc nous devons connaître qui est-ce que Saint-Esprit a. Même si nous connaissons le Père et le Fils, nous devons connaître qui est-ce personnage. Donc et ça fait jeudi, nous voulons prendre un petit temps pour que nous capables enseigner ou et dialoguer ensemble avec vous avant que nous la prière sur personnage qui c'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que nous toujours la prière, nous toujours prendre le soin pour que nous partager quelques mots avec vous, parce que lorsque vous demeurez dans la méditation de la parole de Dieu, prière est efficace, parce que mes bien aimés dans le Seigneur, une vraie prière toujours faite et fondée sur la parole. Donc lors la prière sans la parole, il vient symboliser des prières vaines. Donc ou vient dit parole qui pour à satisfaire désir mais qui pas revient à l'Éternel. Mais lors la prière selon la parole ou la prière selon la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est une arme que nous besoin utiliser lorsque nous appelons la prière. Donc cet esprit pas un personnage, il pas une personne inférieure, mais cet esprit il est une personne divine. Il est Dieu, il est une personne divine. Oui, mais bien aimé, il est important. Donc on va voir que la Bible l'appelle Dieu. Donc cet esprit, Bible la même relève Dieu. Et on va regarder dans Actes chapitre 5, Actes chapitre 5 le verset 3, le verset 4. Et puis Pierre prend le fond déclaration, la Bible dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et le Bible dit: ce n'est pas à des hommes que tu mentes, mais à Dieu. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as mon comprendre ça, c'est histoire Ananias avec Saphira. Donc à coupe ça te met tête ensemble pour que tu vende des biens que tu possédais pour te porter cob là by serviteur yo à cette époque. Et pas de monde qui te forcé au faire ça. Mais pendant que il vend un bien, donc il dit mais quantité au bras dit au vendre, tandis que c'est pas quantité ça yo vendre. Et Marie a te paraître li bayon prix. Li dit mais quantité nous vendre, les pote cob là bay serviteur là. Et puis mes bien-aimés dans le Seigneur, yo te planifié le comme ça. Et puis apôtre Pierre bra dit à Ananias, mes bien-aimés dans le Seigneur, li bra dit à Ananias, c'est pas en l'homme qu'on menti, mais c'est à Saint-Esprit qu'on menti. Et c'est à bon Dieu même qu'on menti. Donc d'où le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc sous capacité pour bay mentir à Saint-Esprit, mes bien-aimés, cela signifie que Saint-Esprit, il est Dieu. Et ça fait apôtre Pierre pour dire: ce n'est pas à des hommes que tu mens, que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu, selon Actes chapitre 5, le verset 3 et le verset 4. On voit ensemble quelques caractéristiques de la divinité du Saint-Esprit. De la divinité du Saint-Esprit. On voit quelques caractéristiques que Saint-Esprit a les possédées. Le Saint-Esprit, il a une nature éternelle. Le Saint-Esprit a une nature éternelle. Selon
Hébreux 9, le verset 14, Saint-Esprit lit une nature éternelle. Donc le Saint-Esprit lit pas là pour un bout de temps, après son pape j'aime d'Adèle, ou bien avant enlèvement de l'église il est là, après enlèvement de l'église là, tout disparaît, pape gagne ça que le Saint-Esprit encore. Non, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est éternel. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 14, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est immuable. Le Saint-Esprit est là pour le temps et pour l'éternité. Non seulement pour que il est là pour le temps et pour l'éternité, donc c'est seulement Dieu comme ça. Oui, il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et sous suivre dans Genèse chapitre 1er, il va dire la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on va voir que dans le verset 1er, il va dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Après il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut, il fait référence à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dans le livre de Jean, il représente tête-lui comme lumière. Il va même dire, vous êtes la lumière du monde. Donc Jésus-Christ va dire, tête-lui, c'est lumière. Et dans Jean 1er, il va dire, dans Jean 1er, il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, dans Jean 1er, les pral confirmer ça, famille midi de combat. On essaie well pour que vous capable bien imbu de lui côté que apôtre côté Jésus-Christ pral rele tête li, c'est lumière. Mais bien aimé dans le Seigneur, et c'est une raison le pral dit que la lumière soit, Dieu pral dit et la lumière fut. Dans le verset dans chapitre 1er livre Jean, le verset 4, il pral dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Oui, la vie était la lumière des hommes. Concernant la parole, la lumière. La parole qui symbolisait Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, elle était Dieu. Donc, la parole était avec Dieu, Jésus-Christ. La parole était Dieu. Donc, il pral fait, il pral gen même son cloche avec la lumière. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Concernant la parole, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas rien qui fait, il fait sans Jésus-Christ. Tout fait à travers Jésus-Christ. Elle était la vie. Elle, en elle était la vie à travers la parole. Et la vie était la lumière du monde. Concernant Jésus-Christ toujours. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, donc Jésus-Christ lui représentait la lumière. Lui représentait la lumière. Non seulement Dieu créa les cieux et la terre, la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, Dieu le Père, lumière le Fils, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, lui important pour eux, le Saint-Esprit, il est Alpha, il est Oméga. Il est le commencement, il est la fin. Donc, il y a une caractéristique, le Saint-Esprit. Il a une nature divine, une nature éternelle. Donc, selon Hébreux 9, verset 14, il y a plus d'explications de ça. Il y a une deuxième caractéristique, nous pourrons joindre dans la nature du Saint-Esprit. Nous pourrons voir que le Saint-Esprit, il est omniprésent. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Cela signifie que il est capable d'être partout à la fois. Même Jean Dieu est omniprésent, Jésus-Christ est omniprésent, de même, le Saint-Esprit, il est omniprésent. Le Saint-Esprit, il est partout à la fois. On prend un exemple. Si vous passez dans chaque assemblée, le dimanche matin, ou après assemblée ça, les remplis avec la présence du Saint-Esprit, yon l'autre assemblée avec des kilomètres, les remplis à travers du Saint-Esprit, yon l'autre assemblée dans l'autre pays, les remplis à travers du Saint-Esprit, en même temps, à la fois, yon l'autre assemblée dans l'autre continent, les remplis avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Donc, c'est un attribut que l'on gagne, il est omniprésent. Donc, le Saint-Esprit, il est omniprésent. Donc, au même capteur de nous là, nous voulons connaître que quel que soit côté,
sourire la force sentir que là. Et c'est une raison, alléluia. Et c'est une raison, moi remets la Bible pral dit, mais bien aimé dans le Seigneur, côté deux ou trois assemblés yo, l'absence du corps, mais là en esprit. Donc Jésus-Christ physiquement n'est pas là, mais il est là au travers la présence, à travers la présence du Saint-Esprit. Donc aussi longtemps n'a senti présence mon Dieu pendant n'a la prière, il fait sentir avec nous, il ba nous force parce que dans Hébreux, dans Ésaïe 11, il pral ba nous sept niveaux dans le Saint-Esprit. Il pral dire l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc ils sont esprit de force tout. Donc il ba force dans faiblesse. Alléluia. Le Saint-Esprit, il gagne capacité pour bail force dans faiblesse. Et me déclarer quel que soit monde cap tendez nous à midi ça, c'est pour le Saint-Esprit li bon force kotoya, parce que mes bien-aimés, il est partout côté mien des micros, li avec moi. Et moi sûr et certain, ou même pendant casse là dans oreille, pendant ap tendez prière ça, li ka rempli ou kotoya, et ou ka senti corps a fait chair de poule, ou ka senti espace kotoya li rempli. Alléluia, parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Alléluia, il est omniprésent. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Il est partout en même temps. Oui. Donc, quel que soit côté dans le monde entier, ou gen capacité, le Saint-Esprit, il gen capacité pour le toucher. Il pas pral prendre avion pour aller l'autre côté. Il pas pral prendre machine pour aller l'autre côté. C'est en même temps. Pendant m'a parler à l'âme sentil, pendant m'a tendre dans l'âme ou sentil. Donc, il est partout en même temps. Le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Alléluia. Le psaume 139, le verset 7 à verset 10. Il est partout en même temps. Alléluia. Serviteur nous David dit, où irai-je? Loin de ton esprit. Tenez bien. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je? Loin de ton esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Donc au même capteur de prière midi de combat, maintenant on comprend ça, le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Donc il est pas un côté, mais il est tout côté, t'entends? Le Saint-Esprit il est tout côté. Quel que soit côté il y a, il ca faut sentir que là. Quel que soit dans un endroit où retrouver, on il ca faut sentir que là. Donc le Saint-Esprit c'est pas un bagage pour nous ignorer. S'il est tout côté avec nous, nous pas qu'à ignorer. Ouais, ou quand on côté là pour dire Saint-Esprit, merci pour présence. Merci pour présence, merci pour telle révélation ba moi. Merci parce que camper avec moi. Merci parce que ba force. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit c'est tellement omniprésent. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit il est tout côté en même temps. Il est tout côté en même temps. Non seulement il est omniprésent, mais le Saint-Esprit il est omniscient. Il est omniscient. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 et le verset 11, la Bible dit le Saint-Esprit sait tout. Il est omniscient. Cela signifie que il sait tout. Le Saint-Esprit connaît toute bagaille, mes bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et le verset 11. On cherche pour famille midi de combat. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 et le verset 11. Il sait tout. Il sait tout. Le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 et le verset 11, la Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel les hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah, moi, mais ça. Bon, moi, dis verset 11 là. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, il nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il connaît toute bagaille. Le Saint-Esprit est au courant de toute bagaille. Le Saint-Esprit connaît toute bagaille. Est-ce que vous croyez ça, famille, me dit de combat? Donc, vous-même, capitaine de prière, me dit de combat, je vous comprends ça. Le Saint-Esprit n'a pas l'air. Ou même que pour qu'on gagne Jésus-Christ, l'a accepté le premier salve, c'est Léo. Le mettons sous souffrant. Et ça fait apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous pas doit attrister parce que lui scellé nous le jour accepter Jésus-Christ et puis nous mettons sur pau sous fond. Dès lors, depuis diable, il garder dans cahier condamnation là, il réviser cahier là, il pas non encore parce que non qui était écrit dans cahier condamnation, apôtre Paul va confirmer ça Jésus-Christ fait dans dans Colossiens 2, verset 14-15, Jésus-Christ a effacé, alléluia, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et puis il dit, et qui subsistait contre nous? Colossiens 2, verset 14-15, il les a détruits, il a éliminé en le clouant à la croix, il les a dépouillés, les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le jour accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit scellé, il faut venir devenir propriété de Dieu. Et ça fait le bras dit dans Jean 1er, le verset 11-12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir la lumière, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont eux? Non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le jour que nous acceptons, nous venons passer de étape créature de Dieu à enfant de Dieu. Car, il dit, elle est devenir enfant de Dieu. Donc, devenir, le verbe devenir, cela signifie, c'est passer d'un état à un autre. Donc, c'est quitter étape créature de Dieu pour nous entrer dans l'étape enfant de Dieu. Donc, l'important, soit attendez nous là, ou pour qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, ou doit connaître que, ou pour qu'on enfant de Dieu, mon c'est créature, mon Dieu. Même si on dit créer les animaux, les créer les pieds bois, les créer la nature, les créer l'homme. Les créer l'homme. Mais qu'on y a pour quitter l'étape créature, pour venir devenir enfant, nous avons seul et unique moyen, nous capables de faire ça, transférer ça, pour nous switch identité nous, dans ce sens ça, c'est à travers la foi nous en Jésus-Christ. Pendant que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maintenant, nous venons switch identité, transférer de créature à enfant de Dieu. Donc c'est ça cet esprit fait. Le Saint-Esprit les scellé nous. Le Saint-Esprit lui mettait source sous nous. Donc lui connaît la vie nous, lui connaît les nous faibles, lui connaît les nous forces, lui connaît côté de kakembe, lui connaît côté de bakakembe. Alléluia. Lui connaît côté de ka résister, le Saint-Esprit connaît côté que non pas ka résister. Donc famille me dit de combat, nous on comprend que li important pour que ou accepter Jésus-Christ et ou même qui gagne Jésus-Christ qu'on ignore la présence du Saint-Esprit, c'est plus gros erreur que nous t'es capable faire que moi-même avec nous t'es capable faire dans vie nous lorsque nous d'accord ignorer la présence et la puissance du Saint-Esprit. Parce que même Jean Dieu le Père, Dieu le Fils, à savoir Jésus-Christ,
Il est omniprésent, il est omniscient. De même, le Saint-Esprit, il est omniprésent. De même, il est omniscient. Alléluia. Donc, non seulement il est omniprésent, il est omniscient, mais aussi le Saint-Esprit, il est omnipotent. Alléluia. Oui, il est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Donc, nous allons parler sous l'omnipotence du Saint-Esprit. Là, il dit, le Saint-Esprit, il est omnipotent. Cela signifie, il a la puissance de tout accomplir. Il a la puissance de tout accomplir. Alléluia. Il est omniprésent, omnipotent. Cela signifie, il a la puissance de tout accomplir. Alléluia. Il a la puissance de tout accomplir. Oui, le Saint-Esprit a la puissance de tout accomplir. Est-ce que quoi ça, Kotoya? Est-ce que quoi ça, Kotoya? Famille midi de combat. Est-ce que quoi ça, Kotoya? Il a la puissance de tout accomplir. Le Saint-Esprit a la puissance de tout, de tout, de tout accomplir. Li ka fè tout bagay, le Saint-Esprit. Et m'da mon comprendre ça. Le Saint-Esprit, li ka fè tout bagay. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, li gen capacité ça pour faire tout bagay. Même Jean Dieu le Père, li gen capacité pour faire tout bagay. Dieu le Fils, li gen capacité pour faire tout bagay. Le Saint-Esprit aussi, il peut tout faire, il peut tout faire. Il a la capacité de tout faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est important pour que ou même capteur de prière midi de combat, pour qu'on pas dans ignorance ça. Gapil dénomination qui fait quoi que le Saint-Esprit c'est un couillon force. C'est un couillon force, c'est un couillon vent, c'est un couillon courant électrique, il est capable de manœuvrer, il est capable de faire ça au vrai. Donc, il y a besoin de cet esprit là dans un service, dans un moment. Donc, il y a utilisé, tant qu'il y a force, tant qu'il y a courant électrique, depuis qu'il y a connecté le courant passé. Non, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et il possède les caractéristiques de base de la personnalité. Le Saint-Esprit est une personne et il possède les caractéristiques de base de la personnalité. Premièrement, nous joignons le Saint-Esprit, les gens sacrés à l'intellect. Les jeunes, les gens sacrés à l'intellect, cela signifie il a la capacité de penser et de raisonner. Cet esprit, les gens capacité pour les penser et les gens capacité pour les raisonner. Même gens nous-mêmes, l'homme, nous avons capacité pour nous penser, nous avons capacité pour nous raisonner. Le Saint-Esprit aussi, il a la capacité de penser et de raisonner. Deuxièmement, nous jeunes le Saint-Esprit, il a la sensibilité. Le Saint-Esprit, il gagne la sensibilité. Même Jean ouais l'homme là, il gagne sensibilité, le Saint-Esprit tout, il gagne sensibilité. Donc en pile nous parfois nous pensons que le Saint-Esprit nous a fait ça nous voulons, nous a vivre Jean nous voulons et puis depuis nous besoin l'a besoin. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit il gagne sensibilité, il ca attristé tout. Et apôtre Paul bral et pour ton grande explication sur ça, nous pourrons joindre dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il pourrait dire n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. N'attristez pas. Cela signifie que le Saint-Esprit, les conneries vont côté, nous attristez-le. Nous attristez-le à travers comportement, nous, à travers langage, nous, à travers ça, nous répéter avec bouche, nous. Mais bien aimé, lorsque chrétien, il faut que nous gagnions contrôle. Parole qui sortit dans la bouche. Non. Il faut que nous mettions contrôle sur ça. Parce que le Saint-Esprit, qui a des paroles au fin dit, mes bien-aimés, il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit les servit avec bouche non, pour nous prophétiser. Les servit avec bouche non, pour nous porter des messages, pour nous porter des prédications de la parole de Dieu. Donc si bouche non, si nous dit n'importe bagaille avec bouche non, nous utilisons bouche non pour nous dire n'importe bagaille, le Saint-Esprit l'a attristé. Donc même Jean là au monde fait un bagaille qui mal, ou sent tout attristé, ou pas qu'à dormir, ou sent tout attristé, ou sent tout pas bien, c'est de même pour le Saint-Esprit. Lorsque nous attristé Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas senti bien.
Donc, dans Éphésiens 4, verset 30, nous voyons que le Saint-Esprit est capable d'attrister. Donc, il éprouver des sentiments. Il éprouver des sentiments. Donc, même genre les hommes, il éprouver sentiments. De même pour le Saint-Esprit, il éprouver tout des sentiments. Donc, au même capteur de prière, midi de combat, nous devons comprendre ça. Le Saint-Esprit, même Ananias, même je te dis, dès le commencement, Ananias t'est menti au Saint-Esprit selon Actes chapitre 5 le verset 3 le verset 4 au valoir pour Pierre a dit ce n'est pas à l'homme que on menti mais on menti à Dieu à Saint-Esprit et à Dieu parce que l'homme menti à Saint-Esprit c'est à Dieu même qu'on baï c'est bon Dieu même qu'on baï menti donc yo n'a bagaille de reconnaître le Saint-Esprit il est pas un courant électrique il est pas un courant électrique qu'on ca manœuvrer l'envle c'est pas un vent hein c'est pas un vent lié donc il est pas une énergie normale même j'en gain contrôle toute l'autre énergie yo le Saint-Esprit il est pas une énergie les parents énergie, mais le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit, il est une personne. Il peut attrister, il est capable de mentir, ou capable de mentir, ou capable de tenter. Donc, de ce que les gagnent, de ce que les gagnent, toute attribution, ça y est, qui c'est les hommes qui gagnent. Donc, le Saint-Esprit nous conclut que le Saint-Esprit est une personne. Même Jean-Paul le monde fait croire que le Saint-Esprit son vent, son courant, son vent qui est lié. Donc, au café sauvé, mais non, le Saint-Esprit est capable d'attrister. Le Saint-Esprit est capable d'encourager. Non seulement le Saint-Esprit est capable d'attrister, mais le Saint-Esprit tout est capable d'encourager. Apôtre Paul va expliquer ça dans Acte 9, le verset 31. Acte chapitre 9, le verset 31. On cherche l'ensemble. Acte chapitre 9, le verset 31. Apôtre Paul va dire que le Saint-Esprit est capable d'encourager. Oui, Acte chapitre 9, le verset 31. Le Saint-Esprit est capable d'encourager. Alléluia. Acte chapitre 9, le verset 31. L'église était en paix. Mappelez-le-vous. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur et elle croissait et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit et elle s'accroissait par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit allait encourager mon yo pour yo servir mon Dieu, pour yo faire ça qui est bon, lui aider l'église à grandir. Le Saint-Esprit lui aider l'église là grandir. Le Saint-Esprit est capable de penser selon Romains 8 le verset 6, non que le Saint-Esprit est capable de penser. Le Saint-Esprit non seulement est capable de penser, le Saint-Esprit est capable de parler. Acte chapitre 13, le verset Acte chapitre 13, le verset 2. Le Saint-Esprit est capable de parler. Donc, il est important, le Saint-Esprit est capable de parler. Acte chapitre 13, le verset 2, ou alors le Saint-Esprit a capacité pour le parler. Acte chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Cela signifie le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit déclare, le Saint-Esprit est capable de parler. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit lui parlait dans mes temps veille de nuit, monsieur t'a jeûné, il t'a cherché la présence de Dieu et le Saint-Esprit t'a pral saisir yo nan yo et il t'a pral dit pour que vous mettez Paul avec Barnabas à part pour travail qu'il gagne pour le faire avec yo. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit non seulement est capable de penser, est capable d'encourager, le Saint-Esprit est capable de briller. Donc le Saint-Esprit tout les gagne capacité mes bien-aimés dans le Seigneur pour que lui prier dans Romains 8
le verset 26, le Saint-Esprit a des capacités pour lui prier. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, même capteur de prière en métier de combat, nous voulons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un vent. Même si un pile monde fait croire, voulons croire que le Saint-Esprit son bagage comme ça. Mais non, le Saint-Esprit, c'est l'excellent nous, c'est lui qui encourage nous, c'est lui qui exhorte nous, c'est lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, les nous fait un bagage qui mal, lui fait nous sentir que nous fait un bagage qui mal, les lui attristé dans la vie, non, lui fait nous sentir que lui attristé. Donc, au même captant des prières midi de combat, au besoin comprendre ça, que le Saint-Esprit ou capable attrister lui. Donc, c'est pas un vent, mais le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est une personne divine. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il est capable d'exercer volonté. Le Saint-Esprit est capable d'exercer volonté. Le Saint-Esprit peut enseigner. Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit peut enseigner. Le Saint-Esprit lui enseigner non, lui enseigner non. On nous reste ensemble en Jean 14, le verset 26. Nous parlons que le Saint-Esprit lui enseigner. Le Saint-Esprit lui enseigner non. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Li a enseigné nous tout bagay. Donc le Saint-Esprit li gen capacité pour que li enseigne nous. Ou te konnen gen moun, mes bien-aimés, pour capacité li gen pour li exprimer li, pour li bay la parole, pour li enseigner la parole, c'est pas dans l'école biblique là li. Mais mes bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne moun ça. Gen moun bon Dieu enseigne ou nan dormi, gen moun Saint-Esprit enseigne ou dans des songes, dans des visions. Gen moun, mes bien-aimés, depuis le campé le Saint-Esprit de Dieu, li cap li remplir avec la parole, li remplir avec connaissance, parce que dans Ésaïe chapitre 11, l'esprit de connaissance les fait partie de cette manifestation de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, parce que les capacité pour la connaissance. Et ça fait le jour ignorer le Saint-Esprit, ou après que capacité avec un monde qui pas ignorer le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit il a capacité pour renouveler toute sorte perdue, toute sorte balayée. Le Saint-Esprit il a capacité pour lui augmenter sorte gagné. Donc lui important, le Saint-Esprit non seulement il est là pour le rappeler sorte qu'on est, pour augmenter sorte gagné, et le Saint-Esprit il a capacité pour le ba ou sort pas de gagné. Donc même pour joindre mes bien-aimés dans le Seigneur, faut qu'on ait de bonnes relations avec cet esprit. Faut qu'on conscient que rôle, capacité, parce que pour bénéficier tout bénéfice ça yo à travers personnage ça, il faut qu'on valorise le et il faut qu'on connaît les capables faire yo. Donc au même capteur de prière midi de combat, au même mentalement comprendre ça, la Bible dit dans Jacques, Dieu pas banon l'esprit de timidité, mais son esprit de force, t'as de sagesse. Alléluia. Il dit Dieu pas ban un esprit de timidité. Donc soit dans l'église ou dans le ministère, tout ça pour faire une timidité cap kraso, ça pas vient de Dieu. Donc tout ça pour ta faire un timide, m'pa ka faire ça, m'pa ka chanter, m'pa ka faire lecture, m'pa ka camper dans la jeunesse pour me faire un bagage pour bon Dieu. Mais bien aimé, ça pas vient de Dieu. L'esprit de timidité, ça pas vient de Dieu. Mais il y a même son cloche avec Jacques, et puis il y a même son cloche avec Ésaïe chapitre 11 côté 12, son esprit de connaissance de force. Dans Jacques, il dit c'est pas un esprit de timidité que bon Dieu baille, mais son esprit de force et de sagesse. Donc il est bon force, il est bon hardiesse. Lorsque cet esprit dans la vie, il est bon hardiesse, ou qu'à camper devant des milliers, des milliards de monde, selon même tout le monde focus sur, il a gardé ou et au pape trembler parce qu'au grand force qui parvient de vous-même qui n'a ou même. Donc son esprit de force. Donc lors son chrétien, tout ça pour faire pour bon Dieu, ou senti ou vle bay vague, ou senti ou vle abandonné, ou senti ou gon timidité kap krasé, ou senti ou pas capable, ou pas ka camper devant moun pour faire un travail pour bon Dieu, ça pas vient de Dieu. Le yon moun gen cet esprit, le cet esprit rempli yon moun, mais bien aimé le bal yon hardiesse. Le cet esprit rempli yon moun, le bal yon confiance. Le bal yon confiance nan capacité là, il fait le quoi dans sa affaire et il mettait une force dans lui-même.
Donc, ou même capteur de prière à midi de combat, moi, t'as vraiment comprendre ça. Le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Donc, ou même qui sent tout besoin formation ou besoin capacité en plus, connectons un grand enseignant ça, un grand personnage ça, un grand professeur ça, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ou même qui besoin connaître la parole plus bien, ou même qui besoin comprendre la parole de Dieu. Ou besoin personnel ça parce que Jésus-Christ dit la va enseigner nous de toute bagaille. L'essayons enseignant, l'essayons professeur, le Saint-Esprit, li enseigner nous et make sure que nous comprenons. Et ça fait gagner nous, li comprend du temps avec nous pour que li enseigner nous. Donc ou même capteur de prière, midi de combat, si hier ou te gon vieux connotation, te gon malinterprétation de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit, donc jodi a ou besoin comprendre que le Saint-Esprit, li pa yon vent, même Jacques en pile moun fait quoi, li pa yon courant ou ka manœuvrer l'œuvre ou ka fè sovle avec li ou ap viv jan vle ou pense que l'homme te chè lan l'homme te stang lan ou pral pran cet esprit ou manœuvre le jan vle fè moun rempli fè moun converti. Maintenant ma bien-aimé, ou besoin gen de bonne relation avec li, c'est pas là le pral vin choisi fè miracle avon monte gen tan gen une bonne relation car Dieu li prend temps pour le travailler nous en secret pour que li capable prouver nous en public. Dieu pas pral fè gros effort avec nous en public parce que tout ça pour le faire avec nous yo, les fait yo en secret déjà. Donc l'organe le Saint-Esprit l'on paraît en public, c'est pas un bagage libéral inventé, mais son bagage que ou habitué avec professeur déjà qui c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit non seulement il est capable enseigner, non seulement il est capable encourager, le Saint-Esprit il est capable penser, le Saint-Esprit il est capable parler, il est capable prier, mais aussi le Saint-Esprit il est capable attrister. Donc il faut qu'on assure que on pas attrister la présence du Saint-Esprit dans la vie. Donc famille me dit de combat, il est important pour qu'on très prudent dans ce ça pour que non pas attrister la présence du Saint-Esprit dans la vie. Non, on doit faire un peu l'effort pour que on pas attrister la présence du Saint-Esprit dans la vie. Non. Donc, au même capteur de prière, midi de combat, nous encourageons, au capable de développer de bonnes relations avec la présence du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ fait une déclaration, il dit si nous sommes méchants qui sont méchants, si nous demandons papa, non, si petit nous demandons pain, nous ne pouvons pas balayer roche, si nous demandons poisson, nous ne pouvons pas balayer serpent, à combien plus forte raison si nous demandons papa, Saint-Esprit, pour que les patas banol. Le Saint-Esprit, c'est un bon guide. Le Saint-Esprit, c'est un bon professeur. Le Saint-Esprit, c'est un personnage nous gagne nécessité dans la vie. Non. Donc, ou même qui accepte Jésus-Christ, ou besoin d'entrer dans de bonnes relations avec lui. Kotoya, nous prenons la prière. Mettez genoux tête, nous prenons la prière. Kotoya, et plus tard, lors la caillou, mettez-vous à genoux devant cabano. Dis Saint-Esprit, mettez gain pile ignorance de où. Mettez connaît que ou c'est un personnage comme ça, ou c'est un vent, ou c'est un courant. Mais moi apprendre que ou c'est un personnage parfois moi ca attristé ou parfois moi dit bagarre pas ta dit parfois moi comprend mal moi qu'on interprète mal. Donc mande cet esprit pour que il capable bon force pour développer une bonne relation avec lui. Et mes bien-aimés, lors d'accord développer une bonne relation avec Dieu, la va communiquer des choses cachées. Car les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, dit l'Éternel. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, mes bien-aimés, nous dans les derniers temps, côté que Saint-Esprit, lui voulait travailler avec nous, lui voulait utiliser nous comme un instrument, lui voulait enseigner nous. Mais est-ce que moi-même, est-ce que vous-même, auprès pour que ou recevoir formation ça. Donc famille midi de combat, nous prenons la prière côtoyer. Hein? Donc au capable connecter ensemble avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, dans le sein, approchez de votre nom. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne et elle existe.
Oui, Seigneur, dans le sein, on approche de votre nom. Ou même qui c'est bon Dieu, non? Ou même qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et de trouver miséricorde pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, dans le sein, approche de votre nom avec famille, midi de combat. Seigneur, nous réaliser parfois, nous sommes dans l'ignorance à travers un personnage ça, qui c'est le Saint-Esprit. Donc, Seigneur, dans le sein, nous venons approcher de votre trône. Nous approcher, même j'en dis, Seigneur, dans la parole, nous devons prier sans cesse. Et nous devons faire en esprit, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications accompagnées avec des actions de grâce. Seigneur, dans le sein, approcher de votre trône. C'est pour vous, Seigneur, faire nous sentir présence. Nous voulons présence, nous voulons manifestation, présence Saint-Esprit, on a la vie. Non? Saint-Esprit, mets-nous nous, au service, ou capable de servir avec nous, ou capable utiliser nous pour œuvre Seigneur là pour avancement royaume là car au dit dans dernier temps Seigneur ou apprendre cet esprit au sous nous donc Seigneur gain pile dans nous là qui était ignoré présence ça qui était ignoré personnage ça la troisième personne de la Trinité nous était ignoré Seigneur à midi ça n'a pas de temps prier éclairer nous plus sur le cet esprit et cet esprit n'a pas de temps prier utiliser nous pour à fonctionnement royaume là pour œuvre royaume là pour avancement royaume. Le Saint-Esprit mène-nous devant, ou capable de servir avec nous. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser nous pour avancement travail. Dans quel que soit ça n'a fait pour Ayoumna, nous voulons accompagner nous. Le Saint-Esprit pas quitter nous seuls. Nous connaissons des capacités ou c'est bon Dieu, ou capable de servir avec nous. Nous avons parlé pour nous, nous avons parlé dans nous. Nous demandons va remplir nous, on va saisir nous, on va donner nos forces, on va donner nos courage, on va donner nos révélations pour nous faire travailler ça. Éclairer nous, parce que son esprit qui est là pour éclairer nous sur toutes choses. Seigneur, dans le ça, nous avons besoin de temps pris, Père Saint, on va prendre contrôle la vie, on va prendre contrôle chaque membre, famille, midi de combat qui est connecté dans le ça. Que mon Seigneur qui vient avec une requête prière. Quelqu'un qui vient avec une demande, quelqu'un qui vient la prière pour une famille, pour un proche. Seigneur, à midi ça, n'a pas de temps prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons va camper pour vous. Dans le dossier, nous va camper pour vous. Dans la vie, on va camper pour vous. Dans ça, y a pas de là, parce que Seigneur nous connaît que ou même ou c'est bon Dieu qui content des prières, ou c'est bon Dieu content des cris, ou c'est bon Dieu qu'on fait route. N'a pas de faire route côté pas gain route, tracer chemin côté pas gain chemin. Oh Seigneur, ou gain capacité, oui. Pour tracer chemin côté qui pas gain chemin dans le ça Saint-Esprit n'a pas de temps prier ba nous force ou ça t'est ignoré éclairer nous plus Seigneur et Seigneur t'en prie Seigneur entrer dans but de prière yo entrer dans demande yo entrer avec monde qui a crié yo visiter yo Seigneur jeudi m'a dit ça camper dans la vie yo jeudi m'a dit ça camper dans la vie yo jeudi m'a dit ça camper dans la vie yo parce que c'est bon Dieu nous jeudi m'a dit ça Seigneur nous connons qu'a fait miracle oui Jésus non parce que c'est bon Dieu nous parce que c'est maintenant. Seigneur, agis. Seigneur, fais route. Seigneur, agis. Seigneur, fais intervention. Seigneur, agis parce que c'est bon Dieu. Non? Oh, je dis, m'a dit ça, nous besoin toucher nos mains. Je dis, m'a dit ça, nous besoin visite nos mains. Oui, Seigneur, je dis, à capable de nous visite spéciale. Gemona, Seigneur, qui vient à de l'eau dans les yeux. Gemona, qui vient là, attristé. Gemona, qui par contre, ça pour y faire encore. Mais est-ce que Seigneur, ou son bon Dieu, qu'on by force? Car la Bible dit, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Et tu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, t'en prie, agis. Seigneur, t'en prie, fais route. Seigneur, t'en prie, fais intervention. Parce que c'est où nous gagnons. C'est où pour nous relayer. C'est où nous gagnons. C'est où chef nous. C'est où tout nous. Dans le ça, Seigneur. Nous sentons-nous faibles. Nous sentons-nous sans force. Nous besoin courage, Seigneur. Nous besoin force, Seigneur, pour nous mener lutte, pour nous mener bataille. Là. C'est ça que nous avons demandé, t'en prie. Combattre ça, combattre nous. Attaquer ça, attaquer nous. Saisis le petit. Et le grand bouclier, qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Oui, qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Seigneur, t'as pour y faire grâce, Seigneur, t'as pour y faire merveille. Nous remettons, pasteur, amen. Alléluia, serviteur ça, qui du côté de Badjona,
là, homme de Dieu ça, pasteur nous Seigneur, qui pas pour tel bien, nous mando va toucher l'amitié ça, on va visiter lui côté lié l'hôpital là, côté le coucher sous doa, Seigneur, nous mando va le toucher lui, on va faire merveille pour lui, côté le pas bien, côté l'église à la prière pour lui, nous mando va camper pour la ville, on va camper pour ministère, on va camper avec tout leader qui présent dans moment côté que l'hôpital là, le Seigneur va bailler madame les force, on va bailler timonio force pour et au passé moment, Seigneur, nous m'adore, on va camper avec un pasteur, non, Seigneur. T'as pu visiter l'hôpital là, parce que c'est Jéhovah Rapha, c'est où qu'on guérit. Seigneur, pas gagne rien qui est possible. Ou t'es dit Moïse, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin, alléluia. Afin que tout le monde qui croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, t'as prié, fais grâce à chaque bien-aimé frère et soeur qui réunit là, chaque bien-aimé frère et soeur qui a la prière, entre dans le dossier, entre dans la vie, visitez yo, camper pour yo, visitez yo, camper dans la vie, visitez yo, camper dans ça à faire, camper dans l'activité à faire. Gemme la Seigneur, c'est pour parents yo, yo viennent la prière. Gemme la, c'est pour famille yo, yo viennent la prière. N'a pas de temps prier, camper pour yo, camper pour yo, camper pour chaque ministère, camper pour pays d'Haïti dans 2024 ça Seigneur. Nous voulons rallonger notre souffle dans pays là, nous voulons vivre dans l'autre Haïti Seigneur. T'as pour ce bon Dieu nous ou capable faire pays ça renaître dans 2024 ça, ou capable faire nous revivre ancien Haïti de gain côté que monde te marché à l'aise, monde te capable aller voir monde te capable entrer les vacances à passer du temps avec famille yo, avec proche yo. Seigneur, gain monde Seigneur qui gain 10 ans oui qui pas jamais entrer Haïti, qui gain 15 ans, qui gain 30 ans, qui pas jamais calé à cause situation pays à traverser. Seigneur, c'est bon Dieu qui dit dans la parole dans 2 Chroniques chapitre 20, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, mais m'a pardonné péché et m'a guéri des maladies. Seigneur, Haïti besoin, non besoin, nation haïtienne, non besoin à midi ça, non besoin pour dire un mot pour nous, Seigneur, parce que nous pas capable encore, n'a souffri longtemps, n'a crié longtemps, bah pays a chance, Seigneur. Seigneur, ou combien mauvais jets qui peuvent les pays avancer, ou tout mauvais jets, ou tout mais contraire qui peuvent les nations avancer, n'a pas de temps pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va camper dans la nation. On va camper, dire un mot pour nous-mêmes. On va camper dans la nation. On va faire intervention. Oui, Seigneur, on va camper dans la nation. On va faire intervention. Parce que c'est où nous sommes, c'est où pour nous relayer. On dit, invoquez-moi, du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. On dit, c'est Dieu qui parle. On croit à sa promesse. Demeure en paix, crois seulement. Oui, demeure en paix, crois seulement. Seigneur, nous croyons que on va faire pays à grâce. Nous croyons que on va faire nation haïtienne à grâce. Seigneur, nous sommes passons en 2023 qui n'est pas facile du tout dans la nation. Nous voulons 2024 ça pour nous rallonger notre souffle. Nous voulons 2024 ça, Seigneur, pour nous rallonger notre souffle dans le pays. C'est pour bandits, yo connaît que c'est où qui bon Dieu et c'est où by Lord. Leur parler, l'éternité envahie. Leur parler, ou pas qu'à faire ça, yo voulez. Seigneur, zam qui n'en met yo, ou capable de faire ou déposer. Seigneur, parce qu'on dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Seigneur, ou capable de faire déclaration ça, ou capable de camper, ou va combattre sa cap combattre pays. On va attaquer sa cap attaquer pays. Saisis le petit et le grand bouclier. Qu'il soit comme la balle, emporté par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse. Que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'éternel les poursuive. Seigneur, t'as prié, fais grâce. Seigneur, t'as prié, fais intervention. Seigneur, t'as prié, agis. Parce que c'est mon Dieu, non. Parce que c'est maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous comptons pour que nous te passions petit temps ça ensemble dans la présence de Dieu, dans la prière. Merci pour une heure de temps qu'on va nous, donc pour nous te la prière ensemble. Donc nous cassons rendez-vous pour demain cap mercredi pour que nous capables continuer dans la prière. Que Dieu vous bénisse, qu'on passe une très bonne fin de journée. Alléluia. Que bon Dieu cache en bas grâce li, qu'elle cache en bas présence li. Que le Seigneur vous bénisse.
c'est moins ta plus ma sublime juste ça d'abord yes rien moins puisque so vraiment ma suivi sans moins pas chant puisse pas quitter puisse pas quitter fait noir pour faire temps avec lui yes les voix ça à pécoir arrêter doucement tranquille rien moins puisque sauvem oui Siblis, moi, pas Jean, qui sera quitté, sans qui. Yes, aboli, comme si, plein que moi, à qui en cas joie, moi, mais tout, fait moi, mais pas, c'était là. Que so suis-lui sans moi pas jamais